the basic thing is she's a phenomenal musician, an incredibly sensitive, instinctive musician with a beautiful, beautiful voice. And without that, and without wonderful musicality, nothing else brings you anything. She has an incredibly personal approach to things she does. I think it's, from my impression, always extremely faithful to the score and to the spirit of the music. But she thinks of things that you know, in a way that the rest of us wouldn't think of them. She has an inquisitive and fascinating mind and approach to the music she sings. She's somebody who I think puts her voice and herself totally at the service of what she's trying to say with the music. You never have the feeling that she puts the comfort of her voice or the beauty of sound before the emotion. And that's very, very important. So she's brave. She's prepared to do, she's not prepared to do crazy things. She can't help doing crazy things. But she's someone who makes you listen to things in a new way. But at the same time, you never have the feeling that this individuality or personality is a replacement for quality, because the quality is astonishing. Conception de l'album, en fait, ce sont un mélange de sentiments autour de femmes assez différentes, mais cela tourne toujours autour évidemment de l'amour, et j'ai voulu aller dans les extrémités, c'est-à-dire la folie, la passion, la tristesse, la surprise, mais aussi l'innocence, la joie, c'est-à-dire utiliser ces sentiments pour colorer la voix, soit en une jeune fille comme Barberine, soit comme la reine de la nuit qui demande, je dirais, une couleur noire plus intense. Et donc là, ça demande évidemment de rechercher quelque chose de bien particulier, finalement comme un peintre, d'avoir une palette de couleurs et de pouvoir travailler avec les contrastes. C'est intéressant d'avoir ces trois compositeurs les uns à côté des autres, parce qu'évidemment,
Bon, Mozart, je le situe au centre de l'action parce que Mozart rassemble toutes les expressions dans un aria, par exemple. Les coloratures, c'est quelque chose qui demande énormément de travail, mais je pense que généralement, moi, je travaille toujours mes coloratures avec la musique, c'est-à-dire que je ne fais pas beaucoup d'exercices de gymnastique. J'aime travailler les coloratures avec un compositeur. Donc, si je veux travailler une colorature, je le travaille avec Mozart ou avec Gluck ou avec Haydn. Et parce que je pense qu'une colorature est accompagnée d'un sentiment très fort. Ce n'est pas intéressant si ça n'exprime rien.